Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour est un journaliste présentateur de 7 à 8 sur TF1 tous les dimanches depuis maintenant plus de 10 ans. Il est également le premier présentateur de couleur à avoir présenté un journal de 20h en 2006. Il vient nous voir avant son tournage de 7 à 8, c'est Harry Roselmack. Bonjour Harry. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très heureux. Avec plaisir. De vous recevoir. Donc une nouvelle saison va s'achever pour 7 à 8 et 7 à 8 Live. Est-ce que vous êtes toujours aussi satisfait des audiences ? Plus que jamais, j'ai envie de dire, puisqu'on a fait une saison assez exceptionnelle. On a fait une saison durant laquelle, en moyenne, on a eu de meilleurs résultats que l'année précédente. Qui était l'année dernière à plus de 4 millions de téléspectateurs de moyenne. Exactement. Et sachant que la tendance générale de la télévision est plutôt baissière. Quand on arrive à se stabiliser ou voire à faire un peu mieux que les années précédentes, on est forcément satisfait. Donc une très très belle saison pour 7 à 8 et 7 à 8 Live. Et alors cette saison, vous avez eu un nouveau concurrent, Laurent Delahousse sur France 2 avec son 19h le dimanche. Est-ce que ça a été un réel concurrent ou vous ne l'avez pas plus craint que ça ? Évidemment, c'est un réel concurrent à partir du moment où professionnel de la télé travaillant sur une autre chaîne fait de l'info à la même heure que nous, c'est un concurrent. On s'est vite rendu compte après les premières émissions que son positionnement était assez éloigné du nôtre malgré tout et que l'impact sur nos audiences était faible. Parce que ces audiences, elles n'ont pas été au rang... Enfin, il n'a pas eu les audiences qu'il voulait. Je pense qu'il n'a pas eu les audiences qu'il voulait. Et la meilleure preuve, c'est que cette partie de son émission de 19h à 20h s'arrête. C'était un pari assez risqué que de faire l'émission qu'il a voulu faire et qu'il a voulu imposer à cette heure-là en face de deux magazines d'infos très installés que sont d'abord 7 à 8 ensuite 66 minutes. Quand on fait des paris, parfois on perd. Voilà, il a perdu, mais c'est quelqu'un qui continue à faire de toute façon de l'entête. Je crois qu'il a gardé la deuxième partie, oui, 20h30 le dimanche, de son émission et qui rebondira et qui fera autre chose. Et donc du coup, votre concurrent cette année, ça a été plus de 66 minutes ? C'est pas cette année, 66 minutes est un concurrent depuis très longtemps, même si je crois que... Le ton de chaque émission, la facture, la façon de traiter les histoires, et puis aussi l'ambition que nous, on a sur 7 à 8, qui est, j'ai pas honte de le dire, supérieure à celle de notre concurrent, dans la mesure où on va très souvent à l'étranger, on va plus loin, on va traiter des sujets d'actu qui sont parfois des sujets de grands reportages. Ce que fait moins notre concurrent 66 minutes fait qu'on a quand même des publics qui nous sont dédiés, même si on sait qu'il y a des transferts entre les deux et que parfois les gens ils regardent un petit peu 7 à 8. 7 à 8 après ils zappent, ils vont voir ce qu'il y a sur 66, ils peuvent être retenus ou pas. Heureusement pour nous, ils sont plutôt retenus par ce qu'on fait nous. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a, je pense, trouvé une forme d'équilibre et que le public est satisfait de pouvoir soit choisir, soit naviguer entre les deux. Et d'ailleurs, vous êtes leader largement incontesté sur cette tranche-là. Alors revenons sur 7 à 8. Comment est-ce qu'on arrive à la présentation d'une émission comme ça ? Quel est votre parcours ? Enfin, comment vous avez fait pour... Moi, j'ai commencé à TF1 par le JT. Mm-hmm. Alors comme vous l'avez dit en introduction, avec des mots un peu choisis que moi, je goûte moyennement, j'ai été le premier présentateur noir de couleur. Bon, ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. J'ai été le premier présentateur noir du 20h de TF1. Sachant qu'avant moi, il y avait déjà des journalistes qui ont présenté des journaux, des journalistes noirs. Il y avait Audrey Pulvar. Il y avait Audrey Pulvar. Sur France 3. Il y avait Christine Kelly sur LCI. Il y a eu Patrice Ferrus aussi sur TV5. Et il y a eu Michel Reynette bien longtemps avant sur France 3. Donc je n'étais pas le premier à le faire, mais c'est vrai que j'étais le premier aussi exposé sur TF1. Donc moi, j'ai commencé par le JT. Et d'une façon assez cohérente et logique, puisque les jokers du JT qui m'ont précédé étaient les co-présentateurs de 7 à 8, on m'a proposé, à la suite de mon été au JT, de présenter 7 à 8. Et alors justement, pour revenir sur ce 20h, puisque vous en parliez, vous remplaciez Patrick Poivre d'Arvor. Mm-hmm. C'était pas trop compliqué justement de se dire on passe après Patrick Poivre d'Arvor ? Je passais pas vraiment après lui, c'est-à-dire que je faisais l'intérim de son absence. Ouais. Donc voilà, c'était un peu moins lourd à porter et maintenant je me suis pas posé vraiment la question en ces termes-là. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'effectivement on va présenter le JT le plus regardé d'Europe, qu'on sait qu'on va être vu par 6, 7 à l'époque, c'était souvent 8 millions de personnes. Votre premier JT, il était à 8 millions. C'est ça. Et donc,
c'est quelque chose qui responsabilise encore davantage, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens auxquels je parle, c'est que quand vous présentez un journal devant autant de monde, ce qui est le plus flippant, c'est de se planter, c'est de dire une connerie, parce qu'à ce moment-là, c'est une connerie qui est très largement répandue. Donc ça doit renforcer encore plus l'exigence qu'on a de faire ce métier et de traiter l'info comme elle doit être traitée pour être la plus crédible possible. Mais voilà, après, les questions d'image, les questions de personnalité, moi, c'est moins mon affaire. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui nous regardent, c'est être à leur contact, c'est être à leur service. En l'occurrence, c'était en présentant un JT. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir pendant des années. Et alors justement, donc le JT, pourquoi est-ce que vous avez arrêté ? Je l'ai arrêté parce que je faisais beaucoup de choses. Et je faisais beaucoup de choses pendant l'année et je présentais les JT pendant les vacances. Je dis accessoirement, mais ça n'est évidemment pas accessoire, c'est même prioritaire. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une vie. Et c'est vrai que j'ai pris cette décision à un moment où je me rendais compte que ça devenait compliqué parce que j'avais donc 7 à 8, évidemment. J'avais les immersions sur TF1 à l'époque, je travaillais sur RTL, je faisais un journal hebdomadaire tous les samedis sur RTL. Et cette année-là, j'avais remplacé Laurence Ferrari pendant son congé maternité, c'est-à-dire que j'avais travaillé au JT tout le mois de décembre, enfin une partie du mois de novembre et tout le mois de décembre. Et donc, voilà, je trouvais que ça faisait un peu lourd. Et la perspective, l'été suivant, de devoir encore renoncer à des vacances, je suis allé voir Catherine Nel, qui à l'époque était la directrice de l'info. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je fasse un choix que j'ai pas fait de gaieté de cœur, mais c'était un choix que j'ai mûrement réfléchi, que je n'ai jamais regretté. Mais justement, de renoncer aux 20 heures, jamais. J'ai jamais regretté ce choix. Je suis quelqu'un qui se satisfait de regarder ceux qui font bien les choses. Et je regarde Gilles, je regarde Anne-Claire et j'ai plaisir à regarder ce qu'ils font et je me dis pas, oh, j'aimerais être à leur place, je fais autre chose, je fais des choses qui m'éclatent. Oui, ça vous plaît plus, par exemple, 7 à 8 que le 20h ou c'est totalement différent, Oui, c'est pas comme ça que je présente les choses de façon voilà, plate en disant ça c'est mieux que ça. Le fait est que dans ma démarche vis-à-vis de l'info, moi j'ai une démarche qui a été de prendre de plus en plus son temps et du recul par rapport à l'info. Moi, j'ai commencé à France Info, qui est la première chaîne d'info, toute info, H24, en radio. Et j'ai fait beaucoup de radio et j'adore la radio. Mais j'ai commencé par le Hot News, comme on dit. J'ai bossé à iTélé, j'ai bossé à LCI, donc j'étais dans le tout info. Le 20h, c'est déjà un rendez-vous par rapport à cette actu bouillonnante qui tourne, qui change, qu'on fait vivre quasi en direct parfois. 7 à 8, c'est encore une autre façon de traiter l'actu, en l'incarnant, en la racontant, en suivant des gens, et ça de façon hebdomadaire. J'ai fait des immersions qui là étaient des documentaires qu'on tournait sur 3 semaines, qu'on montait sur 5 semaines, et qui étaient voilà, une façon vraiment de s'intéresser à une thématique. Et puis bon, maintenant je suis sur autre chose, je suis sur de la fiction. Donc tout mon parcours, ça a été de prendre du recul. Et donc c'est pour ça que ça rend cohérent à un moment de se dire bon bah le JT c'est bien mais un j'en suis pas le titulaire et deux ça me prend beaucoup de temps par rapport à des choses que je ne fais pas de façon temporaire, que je fais de façon permanente et que j'aime faire. Donc si je dois arrêter quelque chose, ce sera le JT, ce sera pas 7 à 8, ce ne seront pas les immersions. Et ça a été un regret de ne pas être le titulaire du 20h ? Non, vraiment. Vraiment pas. C'est un exercice que j'ai apprécié de faire. Hein. Il est très responsabilisant, mais il est très stimulant aussi. Et puis le direct, c'est quelque chose. S'il y a quelque chose qui me manque, c'est peut-être le direct, parce que j'en fais beaucoup moins, évidemment. 7 à 8 étant enregistré, maintenant, je crois. La plupart du temps, on est parfois en direct sur certaines configurations, sur certains événements. Vous étiez en direct sur les attentats du... Sur les attentats, on était en direct, en janvier. Évidemment. En janvier, en novembre, on était en direct. Maintenant, s'il y a peut-être une chose qui me manque un peu de temps en temps, c'est le direct. Mais pour le reste, très honnêtement, ça ne me manque pas. Et très honnêtement, j'ai jamais été du genre à vouloir être calife à la place du calife. Moi, je me suis toujours dit, quand tu veux faire quelque chose, tu te donnes les moyens de le faire. Moi, je me suis donné les moyens de pouvoir faire les immersions qui sont vraiment le format, l'émission télé qui me correspondait le plus et que j'ai préféré faire de tout ce que j'ai fait en télé et en radio aussi d'ailleurs, en journalisme. C'est quelque chose qui a beaucoup compté dans ma carrière et dans mon développement personnel.
Et je continue en faisant autre chose, en faisant de la production et en faisant de la fiction maintenant. Alors on va revenir sur votre du coup principale activité maintenant, c'est 7 à 8. Est-ce que vous êtes juste présentateur ou vous avez un choix sur les sujets qui sont diffusés? Vous assistez aux conférences de rédaction ou Ouais. Alors je suis rédacteur en chef de 7 à 8, j'ai ce titre. Moi je suis là pour valider les sujets avant d'écrire mes lancements, de faire mes lancements, et puis je suis là aussi pour représenter, incarner, faire rayonner, défendre parfois l'émission sur les plateaux de télé avec des gens qui viennent m'interviewer, qui ont la gentillesse de venir m'interviewer. Donc voilà, mon rôle, il est plus là, il n'est pas tellement dans le choix des sujets, dans la fabrication, mais évidemment, toute la rédaction de 7 à 8, les reporters comme les rédacteurs en chef, peuvent faire des suggestions, j'en fais régulièrement et ça donne régulièrement lieu à des sujets. Après, c'est vrai que ce n'est pas moi qui décide. On fait tel ou tel sujet. Oui, vous pouvez pas dire. Enfin, vous pouvez dire non, mais. Alors, je peux dire non à la diffusion d'un sujet. C'est arrivé très rarement, mais je suis responsable de ce que je lance. C'est-à-dire que je peux pas incarner une émission, dire un texte et lancer un sujet contre lequel je serai avec de vrais arguments. D'ailleurs, le portrait de la semaine, Thierry Demézière va quitter la chaîne. Alors Thierry Demézière ne va pas quitter la chaîne, dont il ne faisait d'ailleurs pas partie. Thierry Demézière faisait partie de l'équipe à temps plein de 7 à 8. Aujourd'hui, il prend un peu de champ parce qu'il a beaucoup d'autres activités et il fera des portraits événementiels. Donc il sera là de temps en temps à l'antenne sur des portraits événementiels, mais il sera plus là tous les dimanches. Ça, la douce voix de Thierry nous manquera sans doute un peu, mais... On a une journaliste qui fait partie des plus talentueuses de notre rédaction, qui s'appelle Stéphanie Davoigno, et qui va prendre cette place hebdomadaire du portrait de la semaine. Et je suis sûr qu'on n'y perdra pas tellement au change. Est-ce que le format va être inventé ou ça va être la même chose, ça va être le même style d'interview que faisait Thierry Demézière? Alors, c'est le même esprit, hein, c'est un portrait. Donc, on aura toujours la priorité à celui qui est portraitisé. Stéphanie n'apparaîtra pas plus à l'image que Thierry n'apparaissait, donc jamais en l'occurrence. Et le principe reste le même. Maintenant, Stéphanie arrive avec son style, elle va arriver avec une mise en image à laquelle elle est en train de réfléchir, les choses sont encore en train de se travailler, il y aura sans doute quelques évolutions, mais elles seront cosmétiques, le principe reste le même, et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le maximum de témoignages forts, de sujets intéressants, et là aussi, la question de l'enquête, de la préparation, du fait de convaincre des gens de venir nous parler, c'est quelque chose qui va être très très important. Donc on la découvrira au mois de septembre? Exactement, elle a déjà fait quelques portraits en remplacement de Thierry, mais là elle va vraiment prendre ses marques au mois de septembre. Enfin fin août, puisque notre rentrée c'est le fin août. Le 27, c'est un lundi, donc ça va être... Ouais, c'est le 26. Voilà. Le 26 août. Est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés dans l'émission? Il n'y aura pas d'autres nouveautés annoncées. En tout cas, on a ces dernières saisons, ces deux, trois dernières saisons, beaucoup fait évoluer la mise en image de 7 à 8 avec un plateau renouvelé, une mise en image, un editing des sujets qui a pas mal changé. Donc on va consolider ça et puis on va surtout mettre l'effort sur les documents, les exclusivités. Encore une fois, c'est le contenant, c'est important, c'est bien qu'il évolue de temps en temps, mais le plus important, c'est le contenu, c'est là-dessus qu'on sait faire la différence et c'est là-dessus qu'on va continuer à se battre. Et alors, vous êtes lancé dans un nouveau défi, la réalisation de longs métrages, avec votre premier long métrage, Fracture. Ouais. Est-ce que c'est votre deuxième passion après la télévision? Moi, ma passion, c'est de raconter des histoires, c'est de m'adresser aux gens, c'est de partager des choses. Et cette passion, elle est protéiforme, c'est-à-dire qu'elle peut prendre la forme de documents journalistiques à la télé, elle peut prendre la forme de romans, puisque j'ai déjà écrit et publié un roman, et elle peut prendre la forme d'un film de fiction. Et là, je suis pour la première fois confronté à cet art exigeant, mais tellement enrichissant et tellement...
voilà, ouvert qui est le cinéma et qui est la fiction. Ça a été une vraie rencontre en le faisant. J'ai fait ce film parce que cette histoire que j'avais envie de raconter, je ne pouvais pas la raconter dans un documentaire ou dans un reportage. Il fallait que je l'écrive, il fallait que je la fasse jouer. Donc je l'ai fait pour ça, et en le faisant, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et donc vraisemblablement, si j'ai la possibilité, si j'ai la chance, j'en ferai d'autres. Et enfin, une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ce qu'on peut vous souhaiter à vous, c'est-à-dire de continuer à prendre du plaisir à ce qu'on fait et continuer à avoir le retour, l'assentiment la plupart du temps, c'est mon cas, je m'en félicite, mais le retour de gens à qui vous apprenez des choses, avec lesquels vous partagez des choses, avec lesquels vous établissez un lien qui n'est pas un lien direct et physique, mais qui est un lien qui est quand même important. On est dans une société, alors mon film s'appelle Fracture et ça parle de ça, mais ça parle du manque de liens, ça parle des oppositions de plus en plus criantes entre des gens qui se définissent et qui se font des identités alternatives à notre identité commune. Et le but, c'est de faire du lien. La formation, c'est du lien, c'est un lien précieux. Le divertissement, c'est du lien. La fiction, c'est du lien. Se dire des choses, ça crée du lien. Et donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à faire ça. Et puis, de grandes réussites pour 7 à 8 aussi. Et évidemment, de grandes réussites pour 7 à 8, avec une nouvelle saison qui sera encore l'occasion de prendre de nouvelles marques, puisqu'il n'y a plus 19h le dimanche, il y aura autre chose à la place. Et cette autre chose, peut-être il va Michel falloir Drucker. Qu'on... On n'est pas sûr, mais... Je ne sais pas, là, je n'ai pas l'information que je puisse vous donner à l'heure qu'il est. Mais en tout cas, il y aura... un programme en face, il va falloir que 7 à 8, en conservant ses bases et en cherchant toujours à être plus exigeant sur la qualité de nos sujets, de nos accès, de nos exclus, on continue à dominer et à rassembler le maximum de personnes le dimanche entre 17 et 20 heures. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup Ariel Roselmack d'avoir accepté mon invitation. On vous retrouve du coup tous les dimanches dans 7 à 8 et puis derrière la caméra pour ce long métrage Fracture. Merci beaucoup et à très bientôt.